Bonjour à tous. C'est dans un contexte très particulier que s'est déroulé ce Téléthon 2020. Pour ce tirage au sort de la tombola spéciale qui a été mise en place pour le Téléthon par le comité des fêtes et le conseil de la vie associative. C'est une excellente idée que vous avez eue. De mettre cette tombola en place avec des bons d'achat chez les commerçants de Château-Renard. L'ensemble des recettes sera reversé au Téléthon. Et je laisserai après la parole à Céline qui nous expliquera un petit peu. Je voulais aussi remercier Gérard et Céline pour cet investissement dans ce Téléthon. Je remercie également à cette action. C'est pas que cette action qui a été menée, bien sûr, par pour le Téléthon de Château-Renard et par Marina. Marina Luciani qui a beaucoup œuvré. On a eu aussi des petits déjeuners qui ont été distribués chez les gens qui les avaient achetés dans l'ensemble de la commune. Je voudrais remercier Marina pour son implication dans cette action. On va après tirer 50 tickets gagnants et ce sera fait par le conseil des anciens, représenté ici par Jean-Marie. Et Janine, excuse, elle était derrière moi, je ne l'avais pas vue. Elle est tellement mince. Voilà, je laisse la parole à Céline et après à Serge Portal. Merci, Monsieur le Maire. Effectivement, on a mis en place cette tombola avec le comité des fêtes et le conseil de la vie associative. Ça nous tenait à cœur parce que ne pouvant pas faire d'animation en ville, il fallait quand même qu'on marque le coup pour le Téléthon. Parce qu'on sait que c'est déjà pas évident quand on peut faire les animations en direct. Donc là, c'était compliqué. On remercie tous ceux qui ont joué le jeu avec nous. Les commerçants qui ont distribué les tickets, il y a des commerçants qui nous ont offert des lots. Et surtout, je voudrais remercier les personnes qui ont acheté les tickets. Donc, il a été vendu 1152 tickets. Et on va reverser au Téléthon les bénéfices dans son intégralité, c'est-à-dire 3473 euros et 30 centimes, vraiment sur l'action de cette tombola. Et par la suite, il y aura d'autres fonds qui vont rentrer en compte dans la globalité de l'action. Merci à tous et on espère pouvoir se retrouver en 2021 sur le cours Carnot, en ville, un peu de partout et pour pouvoir faire des animations bien plus dynamiques que cette année. Merci. Bien, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité pour ce tirage de la tombola. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous ce matin. C'est effectivement, comme vous le disiez, le Téléthon 2020 a été un Téléthon hors du commun. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination pour arriver à faire des animations. Sur Château-Renard, l'AFM avait un peu anticipé ce Téléthon du mois de décembre qu'on savait compliqué. L'AFM avait contacté les campings des Bouches-du-Rhône. Et sur les quatre campings qui ont participé aux actions, donc celui de Château-Renard, le camping de la Roquette, avait participé. Je les remercie. C'était l'occasion de faire une animation pendant une période de non-confinement. On savait très bien que voilà qu'on serait confiné pour le Téléthon, donc ça serait compliqué. Donc je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais la coordination 13A sur laquelle je travaille concerne le nord du département, le secteur des Alpilles. L'an dernier, donc en 2019, on avait récolté à peu près 140 000 euros. Et cette année, on va, j'espère, arriver à 20 000 euros. Donc vous voyez, on passe de 140 à 20 000. Ça va dépendre des dernières actions qui sont en cours et pour lesquelles je n'ai pas encore des chiffres. Mais voilà, il faut savoir que la baisse a été significative. Vous avez encore plus de mérite à avoir fait tout ce que vous avez fait par rapport au contexte du Covid. Un grand merci au nom de l'AFM. Et comme vous le disiez, j'espère que 2021, on pourra faire un Téléthon normal. Voilà, merci beaucoup. On va procéder au tirage. Jean-Marie, je te laisse mettre les tickets vendus dans l'urne.
Ah, il risquait pas de s'envoler. Hein. Donc le tirage au sort va se procéder de cette manière. Donc Jean-Marie et Janine vont tirer à tour de rôle un ticket. On va annoncer le numéro qui va être noté sur un cahier. Et donc dès lundi, on vous appellera et on vous communiquera les noms des gagnants. Et l'eau seront venir à récupérer ici à la MVA. Sur rendez-vous, il faudra téléphoner et on vous permettra de venir récupérer vos lots. Donc voilà, c'est parti. Vous donnez le numéro et le nom d'un café, hein, comme ça, comme on est dit comme un, c'est bon. À toi. Il leur faut le micro ou juste le numéro ? Numéro 281. Hop, j'en ai pris deux. Numéro 836. 836. Je vais... 844. 844. 1982. 1732. 422. 15.1735. 1732. 1736. 1012. 2 secondes, je tourne la page. 1012. 0, 0, 0. 16. Après le 15, je pense. T'as pas mes amis ?
562. 562. 124. 1303. 1303. 620. 1933. 1933. 1613. 1613. 128. 128. 903. 1003. 1003. 1837. 1837. 1832. Bon mélange, hein. 262. 262. 1002. 687. 687. 1376. 1376. 431. 431. 264. 1432. 1432. Encore 4. 1059. 1059. 1671. 1671. 920. 437. 437. Et le dernier? 1861. 1861. Bon, ben, le tirage est fini. Donc, on a nos 50 gagnants. Donc, la liste sera diffusée sur Facebook et dans la Provence. Encore merci à tous et rendez-vous au Téléthon 2021.